grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Ici la Team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cœur de l'événement. Sous nos yeux, une affiche attractive à suivre, la France face à l'Italie. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmise entre le terrain et le supporter. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin, en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Voici le 11 qui va débuter pour l'Italie. Donnarumma qu'on retrouve dans le but. Giovanni Di Lorenzo avec Bastoni au centre de la défense. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Allez, c'est parti pour ce match. Les Bleus lancent la partie. Zaïre Emery. Dembélé. Olise. Ousmane Dembélé avec le ballon. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Goal ! Déjà un but idéal pour lancer ce match. Ça promet pour la suite. C'est reparti, allez, on va voir comment l'Italie réagit après ce but encaissé. Federico Di Marco. Fratesi, ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah non, il est perdu ce ballon. Siffleur en faveur de l'équipe de France. Calafiori. Calafiori. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Ousmane Dembélé avec le ballon.
Ballon pour Zaïre Emery. Et oui, ce petit ballon là par-dessus. Et ce coup franc est accordé à l'Italie. Aurélien Tchouaméni. Attention la frappe. Et voilà le but. Vous vouliez de la beauté technique, de la maestrie. Alors regardez ce ballon brossé et savourez. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Et Dembélé avance, balle au pied. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ballon rendu à l'adversaire. Fratesi. Ah, c'est bien fait ça. En direction de Dembélé. Olise. Ah, il s'est joué par-dessus. Fratesi. Voilà, très belle ouverture. Fratesi. Oui, à place pour un bon centre. Ouais, super geste défensif, sans commettre de faute. Et c'est un corner pour l'Italie. Le ballon est joué court. La frappe contre Emélien, encore danger. Et oui, le tir. Au sauvetage d'Emélien. Donne rien, ballon renvoyé par les défenseurs. La récupération italienne. Fratesi. Énorme occasion pour revenir peut-être dans ce match. Goal, 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 goal. Voilà qui est bien fait, voilà qui est bien joué au mental pour revenir à un but. La pression défensive a parfaitement été neutralisée. Il l'a même aidé, je crois, à s'orienter et marquer. Grande! C'est reparti l'Italie qui est revenu à un but de son adversaire. Théo Hernandez. Camavinga. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, il prend sa chance de loin. Pourquoi pas cette tentative, mais c'est manqué.
cette occasion. L'occasion, en effet, d'aggraver la marque. Mais finalement, ce n'est pas cadré. Di Marco. Fratesi. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Di Lorenzo. Lorenzo Pellegrini. Ouais, sans faute. Federico Di Marco. Le ballon pour Sandro Tonali. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Ousmane Dembélé. Zaïre Emery. Et l'équipe de France qui progresse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ça ne gagne pas, mais ça débarrasse. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, et c'est bien vu dans le dos de défenseur. Mbappé la frappe. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Le corner. Dégagement raté. Et finalement, pas de danger. Et le contre est possible maintenant. Ousmane Dembélé. Sandro Tonali. Par contre, ça peut être dangereux. Une grande occasion pour égaliser peut-être. Et l'égalisation, alors qu'ils avaient deux buts de retard. Les voilà à égalité. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extraordinaire. Quel magnifique état d'esprit pour revenir dans le match. Le score est de parité. La suite de la rencontre va être belle. Attaque la pluie, l'arbitre fait signe de continuer. Et il faut laisser le jeu respirer. Le football, c'est un sport de friction. Aurélien Tchouaméni. Zaïre Emery. Michael Olise. Et l'équipe de France en approche. Il va essayer de surprendre le gardien. Et le ballon bien claqué par le gardien. Vers le point de pénalty. Et but ! C'est au fond ! Les voilà qui prennent à nouveau l'avantage dans cette rencontre.
ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Sandro Tonali. Federico Di Marco. Il y a du champ pour l'Italie. Di Marco, le centre de la surface. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Saliba. Ousmane Dembélé. Mikael Olise. Et l'équipe de France qui progresse. Oui, c'est un bon ballon ça. Attention. Le dernier mot à la défense. Ballon bien renvoyé. Zaïre Emery. C'est contré sans problème. Pellegrini. Ricci. Wow, le tacle a musclé, l'arbitre laisse jouer. Intervention assez sonnée à l'huile des coudes. Hors-jeu, c'est hors-jeu. Trois minutes en plus, annonce l'arbitre. Olise. Avec une bonne protection dans le camp adverse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Il faut tenter sa chance. Et ce ballon l'a millimétré par-dessus. Et non, ballon perdu par la France. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et le réalisateur nous montre Aurélien Tchouaméni parce qu'il a fait une bonne première mi-temps. On sent une certaine fluidité, une capacité à connecter avec le reste de l'équipe. Maintenant, il faut continuer en seconde mi-temps. Dans ce match avec donc l'Italie qui est menée d'un but. Et le bon centre là peut-être. Ah, danger n'est pas éloigné là. Le ballon dangereux de Camavinga. Attention là, c'est pas fini. Mais non, non finalement, parce qu'il y a hors-jeu qui est signalé. Warren Zaïre-Emery. Ouais, le petit ballon par-dessus. Oh oui, ce but! Quel geste! Quelle reprise de volée! Quel golazo! Oui, ça a l'air simple. Mais le mérite est de se rendre les choses simples. L'essentiel, c'est le bon moment, au bon endroit, avec le geste juste.
4-2 au tableau d'affichage. Federico Di Marco. Camavinga. Ouais, ballon déposé par-dessus. Ouais, dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Ouais, le danger bien repoussé par le gardien. Ouais, le centre n'arrive pas à destination. Ouais, il prend sa chance de loin. Passe, il y a tout qui est sorti dans cette frappe, la force, la détermination, même le stade. Ça reprend et la France a maintenant 3 buts d'avance. Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé en bonne position. Oui, bien défendu. Richie. Ah, la différence est faite. Ah, la frappe est bien contrée. Ah non, Dembélé là qui perd la balle. Fratesi. Di Marco. C'est le coup de la touche pour l'Italie. Et le ballon en retrait. Et le gardien qui écarte bien le danger. Théo Hernandez. Camavinga. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. De l'équipe de France. Et le remplacement peut avoir lieu. Tchouaméni, Théo Hernandez, la grosse pression, ballon perdu, ah oui c'est bien joué, le crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe, donc, pas de difficulté, le gardien capte le ballon. Aurélien Tchouaméni. Zaïre-Emery. Marcus Thuram avec le ballon. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Théo Hernandez. Ballon récupéré par l'Italie. Fagioli. Fratesi. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Ah, il a jailli en deuxième rideau, c'est bien joué. Ballon récupéré. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Fratesi. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Camavinga. Ah non, là, la balle qui est perdue.
Le jeu est interrompu pour un remplacement. Le tacle la musclé, l'arbitre laisse jouer. Intervention assez sonnée à lui des coudes. Zahir Emery. Camavinga. Attention à cette frappe. Ouais, bonne détente verticale pour aller chercher le ballon. Enfin, c'est bien fait ça. Oh, le ballon écarté de la zone dangereuse. Et l'arbitre siffle en faveur de l'équipe de France. Assez loin du cadre sous les yeux des supporters et des partenaires assez déçus. C'est une occasion gâchée. Fratesi. Oui, c'est bien défendu. Joli. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ah non, il est perdu ce ballon. Pellegrini. Et ballon au pied, c'est une bonne progression ça. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Giacomo Raspadori. Et là, il protège bien le ballon. Frappé sans aucun souci par Mike Maignan. Il y a du soutien là pour attaquer. Jules Koundé. Un ballon rendu à l'adversaire. Bonne lecture pour stopper cette offensive. Aucun des deux milieux de terrain là n'arrive à contrôler le ballon. Ah oui, excellent ballon. Oh, quelle intervention là, bien joué. C'est récupéré par l'adversaire. Koundé. Le ballon en touche. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. C'est un coup franc pour l'Italie. Passe là qui est intercepté. Théo Hernandez. Des solutions en attaque là. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable parce qu'à cette distance, ça doit faire but. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Tout en finesse. Oh oui, le but, et quelle merveille. Il a caressé les ballons.
filet smoking. Il a dit petit, va faire un bisou au filet. La souplesse de la cheville qui arrête sa course. Et tic, une vaseline par-dessus de la tête et but. Et le score est assez incroyable, ça fait maintenant 5-3. Ousmane Dembélé. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. William Saliba. Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni. Zaïre Emery. Le quatrième arbitre lève son panneau et ça sera 3 minutes supplémentaires. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Sandro Tonali. Balle. Stratégie. Ouh, la mauvaise relance là. Et voilà le coup de finale dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. Deux buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité. Et voilà, là c'est Kylian Mbappé, il était partout aujourd'hui. Quel match il a réalisé l'attaquant français. Une prestation individuelle pleine d'efficacité offensive, mais aussi de fantaisie. Un but et la victoire finale. Son pied était très chaud pendant tout le match.